Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens peuvent acheter des œufs contre des bonbons, ça c'est ce qu'on avait déjà vu de base. J'avais pas testé encore, mais je sais que ça existe. Pardon. Il n'y a plus de money item sur le dernier shop. Et ils ont implanté plein d'attaques, plein de capacités. Avec des sprites aussi, ok. Sympa. Très sympa. Dans Announcement, Patch and Log. Ah, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils ont mis des méchants. Ah, ils ont mis des boss en mode Team Rocket et tout là. Stylé. Genre Gettys, tout ça. Sympa. Et leur serveur Minecraft aussi, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Sympa, on se penchera dessus sûrement demain, je pense. Ce soir, c'est Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Parce qu'il faut que j'avance. Et que et qu'on se régale. C'est vraiment le plus grand jeu de tous les temps. Elden Ring, les amis. Avec mon personnage que je vous présente pour ceux qui l'ont jamais vu. Qui, je m'en rends compte, peut sembler déroutant. Non, je le comprends. Je... Wood? Wood or wouldn't? Wood, hein. Ouais. Wood de fou. Alors... On a un dragon là, mais je crois qu'on voulait pas faire ça. Je sais plus ce qu'on voulait faire. On s'était laissé, j'essayais... Ah oui, j'essayais de descendre dans la... Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, qu'est-ce que je l'aime, putain, regardez-moi ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que je l'aime ce jeu. C'est le plus grand jeu de tous les temps, putain. Bon, le DLC est très dur, les gens sont d'accord là-dessus, au moins ça me rassure. Mais on avance quand même pas si mal, faudrait que j'arrive à descendre. Ce serait bien, mais... À part avec les plaquettes en pierre en face de moi, je vois pas comment je fais, mais d'ici j'ai pas l'impression d'avoir accès. Donc, tant pis pour le moment, on va faire autre chose. Merci Valhallavar, merci beaucoup. Valhallavar, merci pour ton 23ème WhatsApp. Donc, on s'est dit qu'on faisait quoi? Je sais plus, on a des boss à aller faire. On a au moins deux que j'ai débloqués. À savoir, alors qui? Je sais plus. Église du Bourgeon. Ah, peut-être ça du coup. Peut-être ça qu'on doit aller faire, non? Église du Bourgeon, ça me parle. Ouais, Église du Bourgeon, c'est un boss, je crois. Et on a un autre boss aussi. Je pense que c'est ça, la Chambre Obscure. En gros, on a Mesmer dans la Chambre Obscure, il me semble. Et on a le crabe, là, je sais plus comment elle s'appelle. En gros, qui est là-bas. On dirait qu'il y a un accès, là. J'aimerais bien explorer un peu plus la map, en fait, globalement. Parce que là, vu qu'il reste des boss, j'aurais bien vu un peu d'autres trucs. Ville panoramique, ça j'avais été voir. Ici on dirait qu'il y a un accès mais c'est pas forcément méga clair. Il y a tout un pan de la map que j'ai jamais vu. Ça j'ai été mais juste j'ai pas trouvé de la map. Enfin je sais qu'elle est là mais j'ai pas réussi à y accéder du tout. Donc faudrait peut-être qu'on aille voir plus par là. Là on dirait qu'on peut descendre en vrai. Ou alors peut-être en passant sur les hauteurs. Il y a quoi ici? Église de la Consolation, ça j'avais été voir. Mais là on dirait qu'on peut prendre la hauteur par là. Je vais essayer de faire ça tiens. Entrée de château, on va aller est-sud-est. Espèce de scolopendre, ouais, c'est ça exactement. Donc j'ai réussi à oublier le nom. On va aller par là-bas. Alors, il y a un chemin, non? C'est un chemin, ça? Ouais. Je sais pas si c'est le chemin, mais... En tout cas, il y a un chemin. Et j'ai Chums qui m'envoie des messages. Ok, c'est bon. Alors, est-ce la bonne route? Non, mais je peux pas ouvrir la map s'il y a des combats. Mais je pense que c'est la bonne route. Sinon, j'ai ça aussi. C'est un mob, ça? Ouais. Ah! Mais... Je suis en combat? Le jeu considère que je suis en combat. Ah, c'est bon. Ok, c'est le bon chemin. Tout va bien. Bon, l'espèce de zgeg bleu là, je sais pas ce que c'est. Toujours pas compris. Et un PNJ. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Enfin, j'active la grâce juste pour voir. C'est cool le stream de Sean ce matin. Ah oui, c'est 12 000 pas. J'ai pas vu encore. Qu'est-il, monsieur, vous êtes souffrant? C'est qui Bale?
Oula. Ça va, poteau ? Oula. Mark my words. Il l'aime pas, Bale, lui. D'accord. Ça va, cousin ? Pas l'air en forme. La douleur. Douleur. Susurre-moi tes mots à l'oreille. T'es dans un délire, toi. Ok, donc T'es dans un vrai délire, mon pote. Et alors là, sur mon plat, y'a quoi, par exemple? Des mobs, ça? Ouais, ok. J'arrive pas à le toucher. Ah! Salaud d'oiseau! T'aimes bien. Bracelet d'oiseau sépulcral. Des genres de gants, quoi. Regardez-moi ce flow là, putain, osez me dire que mon perso est pas splendide. C'est le perso le plus stylé du monde. Je suis pas ouvert au débat. Si vous voulez m'envoyer vos streams de perso sur Discord, je pourrais faire une review pour me moquer de vous, mais. Mais c'est moi le plus beau, je veux rien savoir. Alors, on avait un chemin pour descendre là, j'ai l'impression, c'était peut-être intéressant. Disons que ça avait du sens de suivre en tout cas le chemin proposé par le PNJ, on va dire. Ah, je suis tombé. Il est mort? On dirait. C'était pas clair. Ouais, il y a un chemin en bas bordé de statues. Et si on monte... Peux-tu manier juste l'une des deux lames? Ouais. Tu fais... pardon, pas comme ça. Tu fais... si, comme ça. Voilà. Ah, elle sort la deuxième de base. Oui, non, d'accord, ok. En fait, c'est juste une de base. Comme ça. Et si tu fais le weapon art, il sort la deuxième quand même. Et si j'ai le ça en main gauche, il fait quoi? Ah, il fait le weapon art de la main gauche. Logique. Ouais, ouais, tu peux. Bon, alors, attendez, parce que du coup... Il y a des oiseaux, très bien. Mais où est-ce que ça mène, tout ça? Je vais me débarrasser des adversaires, on sait jamais. Arme de fou, j'adore. Pour moi, c'est l'arme la plus cool pour l'instant qu'on est dans le jeu entier. Enfin, non. Et en tout cas, c'est l'arme que j'aime bien utiliser et qui a l'air pas trop éclatée. Elle a l'air plutôt fort, en vrai. Parce que les armes stylées, généralement, elles sont un peu nazes. Enfin, en tout cas, j'aime pas les utiliser. Bon, y a une grande tour, là. Mais je sais même pas ce que c'est censé être. Il va me dire quand je rentre. Le pilier de suppression. C'est-à-dire. Rassurez-moi, il y a un truc en haut. Hein. Parce que là, s'il y a juste un toit, c'est pas clair. Ok. Oh putain, c'est beau ça. D'accord. Bonjour, petite boîte. Oh, objet rare. Pierre de forge et dragons anciens. D'accord. Ouais, on a un beau point de vue, effectivement. On a la tour d'ombre là-bas. Un bâtiment. Ça je vois ce que c'est ou pas? Ah oui, c'est le fort de la réprimande. Donc ça, j'avais été voir. En bas, donc il y a les trucs un peu désolés, un peu marécageux, je crois, de mémoire. Là-bas, c'est de là d'où je viens. Ah, j'ai fait du chemin quand même. Ok. Et ça, qu'est-ce que c'est censé être? Le cœur même de l'entre-terre. La mort sous toutes ses formes vient s'échouer et disparaître ici. Ok. Non mais au moins c'est beau hein. Ça je peux pas l'enlever, je regarde s'il y a pas un truc sur une corniche. Je pense pas mais... Ce serait une drôle d'architecture. Ah non, j'y crois pas. On va redescendre du coup. Alors qu'est-ce qui fait là ce truc là, pilier de suppression? Un peu bizarre.
un petit peu bizarre. Je sais pas si je suis censé comprendre un truc. Là, c'était pour clear. Trop bien le quad 9. Ah, merci. Avec Chips qu'on a fait hier, bien sûr. Dispo en rediff pour les subs, si vous voulez. C'était très très cool. Il a eu une jeunesse que je ne soupçonnais pas du tout. Enfin, en fait, c'est marrant parce que je la soupçonnais pas alors que je connaissais déjà un peu l'histoire. C'est un peu bizarre, en fait. Genre, je savais qu'il avait bougé pas mal et tout, mais je savais pas que c'était à ce point-là et je savais pas que c'était dans ce contexte-là, surtout. Donc ouais, super intéressant. Ah, il y a un chemin pour descendre, là, en face. J'ai vraiment kiffé. C'est quand même très marrant. Ok, donc là, on peut descendre. Ah, mais non, mais si je descends, ça mène à la... Non, mais ça mène au début. Enfin, au début. En tout cas, je veux pas aller là, moi. Par contre, là où je veux aller, c'est... au bout du chemin où il y avait le PNJ qui parlait de... de Bane, hein, je sais plus comment il l'appelait. Ça doit être juste en dessous, là, non, je pense. Probablement... Comment il s'appelle ? Igon. D'accord. Eh bien, je ne connais pas Igon. Pour l'instant, en tout cas. Oh, mais il y a que dalle. Ah oui, non, c'était encore en bas. Ok, on va redescendre. On va redescendre. Au pire, est-ce que j'irai pas au Warper ? Comme ça, je... reset le PNJ. Ça peut être pas mal. Hyper cool l'interview, il est sacrément bavard, on a un peu survolé la partie entrepreneuriale. Ouais. Je vois. C'est pour ça que j'ai essayé un peu de le, quand même de l'amener sur ce sujet-là, vu que je savais que ça intéressait beaucoup les gens. Non mais c'est pas le même PNJ, c'est pas le même perso. C'est le même perso qu'avant, ça ? On dirait pas le même perso. Je suis un... perplexed. Donc toi tu es Igon. Épargnez-moi votre cruauté. Ok, c'est le même perso ou pas? Je m'en rends même pas compte. J'ai pas l'impression que c'est le même. En fait il a la même tête mais c'est un Karastien donc ils ont tous un peu la même tête. Enfin, no racisme bien sûr mais... ils ont tous la même dégaine juste après les... Je sais pas, je trouve qu'il était vachement coloré au niveau de ses fringues. Oh, ça m'a dismonté. Attends, j'ai pas le droit d'être à cheval, là? Ah, j'ai pas le droit. Il devait avoir un boss, non? Homme dragon ancien. Homme dragon, pardon. Pourquoi je lis Homme? Je peux pas lire. Homme dragon ancien. C'est le mec en face, là? Ah oui. Il va être chiant, lui. Qu'est-ce que c'est qu'un homme dragon? Ouais, pouce en l'air mon pote, pouce en l'air, gros pouce. Il a spawn dans ma map, il m'a fumé ma mère, il repart. Seigneur. En plus il est tout nu. Il est venu à poil avec sa grosse tête là. Lui en plus il me cum dessus là. Voilà pourquoi le DLC est plus dur. Bah le DLC, en fait il est plus dur parce qu'il y a un scaling qui est inhérent au truc et qui fait que tout le monde te touche tout le temps. Moi ça me va, en vrai je trouve que c'est un peu, bon c'est un peu brut mais... Mais en même temps ça évite un peu l'aspect je mets un milliard de vigueur et je fous l'armure et je tank tout, tu vois. J'ai l'impression que personne tank, quoi qu'il arrive. Donc c'est un peu rassurant, mais bon. Vu que pour l'instant je veux pas me spoil, même si malheureusement j'utilise des réseaux sociaux donc j'ai vu des trucs que je voulais pas voir, mais... quasiment rien, j'ai réussi à bien m'en sortir quand même. Et de ce que j'ai compris, tout le monde se fait un peu fumer. Qu'est-ce que c'est que ça, les hommes dragons? Là, le simple fait qu'il m'ait rien looté, je suis dégoûté, je le dis. J'ai juste vaincu l'envahisseur.
full esquive en New Game Plus. Ouais, le full esquive doit mettre pas mal, ouais. À mon avis, certains vont give up. Moi, je pense. Enfin, je l'ai dit, jour 1, je pense qu'il y aura des nerfs. Hein. Pas tout de suite, parce qu'ils vont laisser les hardcore faire le truc, mais je pense qu'ils vont nerfer les boss et tout. Les gens dorment trop sur les esquilles. Bah, en fait, c'est juste que la mécanique est un peu bizarre, parce que ça t'oblige à explorer vachement. Alors que de base, sur le jeu initial, tu peux. Bon, alors, tu peux bash des mobs pour prendre de l'XP, tu vois, pourtant un peu overlevel, mais. Tu peux faire ton jeu comme t'as envie, arriver sur un boss. On peut descendre ici. Arriver sur un boss et en gros, bah, bourrer jusqu'à le passer, quitte à farmer des stats. Mais t'as pas trop ce truc de. D'exploration imposée, on va dire. Là où c'est. Enfin, c'est pas imposé non plus, mais. Disons que t'as quand même beaucoup plus intérêt ici à explorer que sur le jeu de base, quoi. Moi, ça me va très bien, hein. Je trouve que c'est un des. Un des vrais plaisirs du jeu, de façon de fouiller les recoins, les corniches, machin, j'adore ça, donc. Donc je trouve ça trop cool. Merci Julgan, merci pour ton prime. Oui, oui, bon courage. Qu'est-ce que tu m'as fait rire. T'es vraiment le boss, hein. Oula, fosse au dragon. Ah bah je suis content d'être là, tiens. La fosse du Drake. Ah, la petite... une gloire, j'allais dire, non pas du tout. Petite grâce. C'est pour éviter de juste rouler sur le DLC. Ouais, moi je trouve que ça a du sens, franchement je suis... un monstre, ouais. Moi j'aime bien le DLC jusqu'à maintenant, je trouve qu'il est très cool. Ça respawn ça, non? Ouais, ok. Oh, il est moche. C'est quoi, c'est les zombettes, ça? Un truc de... On dirait les monstres qu'il y a dans... Comment ça s'appelle? Dans Farum Azula? C'est ça le nom? Je sais plus. Oh putain! Chien. Une bête de Farum, ouais, c'est ça? Comment ça s'appelait la zone? Je crois que c'est Dark Souls 3. La zone, la ville de glace de ouf là. Comment ça s'appelle? Oula! Attends, c'est trop deep là, j'ai envie d'aller voir l'autre truc d'abord. So far, c'est pas si dur le DLC. Ah, quand même. Hein. Non, c'est pas Irithyll que je cherche, c'est. C'est pas Irithyll, c'est. Mais c'est peut-être pas Dark Souls 3, si je crois. Hein. Il me semble que si. Le truc du DLC ou... Enfin, je sais pas c'est DLC. Je crois pas. Je sais plus. C'est pas Ariandel. C'est un château, genre, dans la brume à moitié. Je sais plus si c'est DLC ou pas. Oula, c'est quoi ce gros truc? Ariamis. C'est pas ça que j'ai un nom en tête, mais je sais plus ce que c'est. Dites-moi des noms de trucs un peu compliqués, je vous dirai si c'est ça. Oula. Oh, j'suis en train de rigoler moi. Je rigole. Just the hacking. Oh non. J'ai glissé. J'avais pas vu qu'il y avait plus de sol. Comment ça s'appelle? C'est... une ville de glace. J'aime pas si c'est une... Si c'est une... Putain. Comment ça s'appelle? Ça me rend fou, je vous jure, ça va me hanter toute la nuit. Faut que je retrouve. C'est un vieux château, enfin c'est pas vraiment un château mais... Ouais si c'est quand même un château en vrai. Ouais. Et tu montes dans le château, et c'est enneigé partout autour. Et tu y accèdes avec la... Putain c'est dans Bloodborne. Dans Bloodborne non? Helium Lois. Ah c'est ça que j'ai en tête. Mais c'est pas ça en fait, je confonds. Helium Lois, c'est sûr que je pense à ça. Le nom, c'est trop ça. Je crois que c'est dans Bloodborne, le truc que j'ai en tête. Dans Dark Souls 2. Helium Lois, c'est dans Dark Souls 2, tu veux dire? Ouais. Ok, donc ça c'est bon. Et maintenant, il me faut l'autre truc. Merde, j'ai oublié de le finir. Et donc, du coup, c'est dans Bloodborne. Kane Earth, ça s'appelle? Ça, c'est trop bien, ça. J'ai trop aimé cette zone, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est dans Bloodborne avec... Tu vas en charrette. Y'a pas un truc comme ça? C'est pas dans Bloodborne la charrette? Oh, je suis perdu, c'est un truc de fou. Je confonds tout. Mais en même temps, hey, c'est un peu tous les mêmes jeux. Hein.
Hop là, on trigger toute la commune. Oh, c'est les mêmes jeux. Pas genre... Oh, il me tire dessus. Ah, ah oui, Skyrim. Kane Hurst. Ça doit être ça, vous avez plusieurs à le dire, donc. Je l'avais fait en stream, hein. C'est vraiment mon truc de pas m'en rappeler. Après, j'ai fait... Je crois que j'ai streamé 300 jeux dans ma vie. Et devinez ce que c'est mon jeu le plus streamé? Genre d'assez loin. League of Legends, absolument. De très très loin. Je crois que j'ai streamé 1000 heures de plus que Among Us, qui est le numéro 2. Non, je crois que ça s'est réduit, je crois peut-être 500 heures. Je crois que c'est LOL, j'ai streamé 2500 heures il me semble de LOL. Sur ma chaîne, hein, donc si on compte ce que j'ai streamé avant, on peut dire que j'ai streamé 5000 heures de LOL. Plus ouais, je dois avoir 2000 heures d'Among Us. Et je crois que mon troisième jeu, je crois, et je vais vérifier avec vous maintenant, je crois que c'est Dofus mon troisième jeu le plus streamé. Je crois qu'il disait à elle, j'ai streamé vraiment 15 heures par jour pendant 2 mois. Je sais même pas comment je peux voir ça. Bon, je vais aller sur Random Tracker et je verrai si ça marche. Ah, le site est down. Nice. Bon bah écoutez. On verra après. The Long Drive. The Long Drive, j'ai pas streamé tant. Hein. J'ai quasiment que du lore. Ouais. Non mais lol, ça a été le jeu que j'ai streamé le plus, de toute façon. C'est pas down chez moi. En troisième, TFT. Ah ouais. Ah, TFT dans ma tête, je l'ai pas streamé tant que ça. Mais après, c'est vrai qu'une game de TFT, c'est long. Ouais. Oh, les dégâts que je mange. Ayudame. Oh, je mets pas de poise. Tape dans la posture. J'ai pas de potion de mana en fait. Ah merde. D'ailleurs j'ai réfléchi, je me suis dit, vu que mon perso a de la foi et de quoi régène du mana, pourquoi est-ce que j'utilise pas de... Et là vous allez voir la question elle est logique. Pourquoi j'utilise pas de buff? Mais je l'ai pas, putain j'ai oublié de finir. J'ai réfléchi à ça là, je me disais maintenant. Vu que j'ai 42 fois et que je peux utiliser tous les sorts avec les sauts, je m'en sers pas. Bon là j'ai plus de mana donc en l'occurrence j'ai une bonne explication mais... On se le demande tous, abuse. Attends mais il marche pas mon... Je suis sur Twitch Tracker, ça marche pas. Bon on peut trouver autre chose au pire. Si je fais ça... On va sur un autre truc. Si je fais ça et que je lui dis... Je... Il fait all time ou pas? Non. C'est nul. Moi, je peux savoir mes jeux les plus streamés de chaque année par contre. En 2016, j'ai streamé 1000 heures de LOL, 30 heures de Dark Souls 3, 30 heures de Civilization, 23 heures de Pokémon, 11 heures de The Witness, grotesque. En 2017, j'ai streamé 411 heures de LOL, 110 heures de Dofus, il disait elle. 27 heures de Divinity, 11 heures de Fortnite, ça jouait. Hein. 2018, j'ai streamé 98 heures de LOL, 54 heures de Pokémon Let's Go, 33 heures de Smash et 30 heures de WoW. J'en suis où là? J'ai dit quoi comme année? Je sais plus. 2018, ouais. 2019, on a streamé 260 heures de LOL, 104 heures de Pokémon Sword and Shield, 70 heures de TFT, 70 heures de Might and Might Portia, 60 heures de Dofus. Et Sekiro. 2020, on a streamé 717 heures de LOL et 191 heures de Among Us. Avec 62 heures de Dofus et 63 heures de Darkest Dungeon. 40 heures de Animal... c'est quoi? Animal Crossing, pardon. 30 heures de The Longing. Putain, année golden, hein, 2020.
Et en 2021, j'ai streamé plus Among Us que LOL. La première fois que c'est arrivé. 2022, pareil. 2022, mon jeu le plus streamé, c'est TFT. Wow, Shockbox. 2023, j'ai restreamé beaucoup de LOL, apparemment. C'est ouf, hein. Minecraft, 93 heures. Ah, c'est rigolo. Merci, Patrick Corp. Merci beaucoup. 30 heures de Civ, c'est une demi-game, quoi. En vrai, je sais même pas ce qu'on a streamé sur Civ, hein. Ça devait être... il devait y avoir la game du The Event ou un truc comme ça. C'est quoi ça? Alors c'est une très mauvaise idée comme plan que ça, IRL, mais alors là... C'est quoi ce truc? Salut! Oh, je lui mets pas de dégâts! Ah, faut peut-être taper la tête. Ça aurait du sens. Ouah, chien! Y'a un trou là? Mais il est tout blindé de pierre! Je suis pas bouillant de ouf de me fight avec toi. Hein. C'est où la sortie? Oui. Oh oh. Ah mais il est énorme en plus. Oui d'accord, j'avais pas compris. C'est une attaque, ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de le fight là maintenant? J'ai de crever quand même. Oh merde. Ça me touche. J'aime pas ce qu'il fait. On les voit. Enfin DV sur Monster Hunter. J'ai bien aimé Monster Hunter quand j'avais joué avec Fuka, c'était cool. Mais bon, c'est vraiment trop un jeu du bash pour basher, quoi. Ah putain, j'ai pas d'HP, j'ai pas ce que là. Il m'a poussé dans le feu. Oh le boss, il est trop fort. Ok, il se fight. Faudrait que je revienne. Faudrait que je revienne en ayant claqué moins de potions avant, peut-être, ça pourrait être pas mal. Un petit Drake là, j'ai envie de le fight juste pour savoir ce qu'il drop. Ça m'intéresse, je dois le savoir. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé, DH? Ah oui. Ça date de quand ça? Ouais, ça doit être ça. Hein. Semble cohérent ce que tu m'envoies. Semble cohérent. Ça me paraît peu d'heures d'Among Us, mais ça me paraît pas mal quand même. Qu'est-ce que je peux skipper les monstres et juste courir? Ouh. Monster Hunter, en vrai, c'est un jeu où ça serait intéressant de s'y mettre vraiment à fond, mais. Il y a un truc qui me rebute trop, c'est bon déjà la mécanique de devoir à chaque fois farmer pour le tir d'après, mais bon ça encore on va dire que c'est une mécanique qui donne envie de jouer. Mais surtout le vrai truc c'est que le jeu est tellement lourdeau genre à jouer, ça, j'y prends pas beaucoup de plaisir moi j'avoue. Et je comprends pourquoi ça marche comme ça et je comprends pourquoi la mécanique elle est foutue comme ça mais... Ouais je trouve que c'est... C'est pas agréable en main de jouer à ce jeu.
Les souls plus lourds que Monster Hunter. Ah non. Ah, Monster Hunter, si t'as eu le malheur de buffer une attaque, tu joues pas pendant 3 secondes quoi. Bon, comment je m'arrange? Ah, j'ai voulu esquiver, j'ai même pas réussi. Il y a de la lave partout dans la map, je peux même pas jouer. Je sens que c'est plus lent que ça cette attaque, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'avoir un petit temps pour le dodge, mais jamais. Il va m'avoir à chaque fois. Hein. Presque. Ah, presque battu ce trash mob. Eh. D'accord. Je sais pas ce qui me touche. Sa cuisse sûrement. Un cœur de dragon. Alors à quoi ça sert un cœur dragon? C'est pas pour upgrader les magies draconiques là ou je sais plus quoi? La merde non? Ah oui si c'est ça. Oh si j'avais su. Si j'avais su j'aurais peut-être pas affronté pour être sincère mais bon. Ça me va. C'est quoi ça? Une pierre de forge. Et là ça me ramène où? C'est pas clair. Ah mais si! Très clair. Ça me ramène dans la salle juste avant. T'es pas net. Je joue un build saignement. Non. Je joue un build qui tape, hein. Soyez brave, n'ayez pas peur. D'accord. Stargir. Y'a rien là. Je joue un build magie, feu un peu, c'est pas clair. Très bien. Il a copié sur l'autre, il a vu que l'autre avait eu 7000 votes, il s'est dit je vais faire pareil. Bien joué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je marche là comme un connard? Bah non. Elle est bas de longue la chute. Oh! Oh! Ça m'a fait penser à. Vous savez quoi? Digimon World, le pont. Attends, il faut venir là avec des. Mais je vais crever là. Y'a un boss là, vraiment? Homme dragon ancien. Ouais, d'accord, y'a un boss.
J'ai 4 potions, pas de buff. Okay, il prend du bon stagger lui quand même, il fait plaisir. Oui bah oui. Oui bah bien sûr. Je suis mort. D'accord. D'accord, je découvrais, pardon, excuse-moi. Bon ça va, en vrai c'est pas un boss de fou, c'est juste un c'est plus un gardien qu'un boss. Ah je me disais aussi reprendre du feu, ça m'aurait fait chier. Ça va, vu comme ça j'accepte. Ça peut m'aller. La fosse au Drake. C'est lui que t'as OS. C'est pas lui, c'est un de ses potes. À faire ce que je veux. Ah mais il tape dans mon truc là. Aïe. Ouf la chance. Ah d'accord, je peux pas le cancel. J'en ai cancel un tout à l'heure, mais pas celui-là. Bon, on va essayer de moins bourrer, peut-être. Ah, j'ai des fourmis dans la jambe. Non, ma jambe, elle s'endort. Réveille-toi, ma grande, on a besoin de toi. Hih. Parce que je suis assis sur mon cul bizarre. Enfin, je suis assis bizarrement sur mon... Enfin, je suis assis bizarrement, quoi. C'est plus ça, la phrase. Pas bizarre, mon cul, je le joue. Non, pas plus que ça, quoi. Mais putain. Je veux juste jouer avec mon feu, moi, c'est tout, merde. Mon fouex. D'accord. Je suis mort. Il a pas été d'accord que je me batte là. Ça l'amuse pas. Des fois ça l'amuse, des fois ça l'amuse pas. Là ça l'amusait pas. Là on va le jouer sans weapon art, je pense qu'on va le jouer normalement. Sauf si je le sens bien et que vraiment il avance sur moi. Vu que ça le stagger pas vraiment, si l'attaque elle part pas en entier. Ça vaut pas le coup. MT. Aïe aïe aïe. On rappelle que MT veut dire nique-toi sur ce chat. Il a plus de popo. Alors oui, j'ai fait toujours la même chose, mais tant que ça marche, pas de raison. Hein. Grand katana de chasseur de dragons. Ouh, ça a l'air pas mal ça. Montre-moi. Alors, ça met du saignement. Oh, une arme force dex. Incroyable, c'est tellement rare. Grand katana dont la lame est surmontée de pierres tranchantes. Une arme portée par l'homme dragon ancien de la fosse aux dragons dispose d'un effet anti-dragon.
Ancien guerrier de la communion draconique, l'homme dragon ancien choisissait autrefois les personnages dignes de dévorer l'effroyable. Incompris. Utilisé dans la traque aux dragons colossaux, cette compétence enveloppe l'arme d'une aura de pierre dentelée. Vous effectuez ensuite une attaque bondissante. Ça, c'est ça. Ok. C'est le machin rose qui m'envoyait, j'imagine. Merci Zouzou. C'est l'arme qu'utilise Sakor. Pourquoi je fais bonjour dans la porte, hein? Ouvre. Et donc là, on est où là? On est chez les dragons? Je suis chez Drake? Ok, une grâce que j'avais pas. Il va dire qu'il y a un mur, c'est ça? Salaud. Hein. Et je vais le croire en plus. Voilà. Il y a un mec qui disait qu'il y avait un mur, bref. Ouais, je dois me battre avec la montagne. Pied du pic déchiqueté. Ah mais vraiment en fait. Oula. Ah ouais d'accord, je suis dans la zone des problèmes là. Oh putain, c'est la zone des Drake, c'est sûr. Oh, c'est la zone des Drake. Oh yeah. Quoi ça? Bale, ô terreur incarnée, me voilà de nouveau devant toi. Ah c'est le... Attends. Ah oui c'est le perso que j'ai vu tout à l'heure. Igon. Est-ce que ça vaut le coup de jouer l'arme des dragons vu qu'il y a des dragons? Je sais pas. À quel point c'est fort en fait. Mais comment c'est qu'il faut aller l'upgrader et changer mes stats? J'ai un peu la flemme. Enfin, changer mes stats? Non, en vrai ça va, mais. C'est de l'orage ça? Et j'ai pas envie de faire les dragons tout le temps, moi ça c'est trop chiant. Enfin. Ah oui, c'est le direct. Vraiment du pic déchiqueté. Ah oui, d'accord. Les dragons se ressemblent un peu tous, c'est l'avantage. Après le problème c'est qu'il va moins de shot quoi. Il reste en l'air. Ok. Oh oui. Le nombre de coups que j'ai mis dans le vide. Oula. Non!
Oh, la caméra, elle joue pas, avec moi. Hein. J'adore ses couilles, mais ça fait pas grand chose. On sait jamais, hein. Ils ont peut-être le même point faible que moi. Oula. Putain, il va taper sa tête, c'est infect. Oh, c'est nouveau ça. Bah le katana j'aimerais bien l'utiliser mais je l'ai pas upé donc en vrai ça sert à rien. Et oui ça aurait du sens. Faut voir à quel point c'est mieux contre les dragons ou pas tu vois. Le jeu dit que c'est mieux mais bon des fois le jeu est un menteur. Oh le prank, j'aurais juste dû bourrer putain. Le méchant prank. Oh chien. Non mais c'est une blague. Un peu victime de prank, mais vas-y. On a qu'à se dire que c'est pas grave. C'était où qu'on sort ? Là-bas ? Allez. Oh, c'était si long de le tuer en plus. Tout ça pour looter un cœur de dragon dont j'ai rien à branler. Mais je dois comprendre ce que c'est Bale. Il y a un mec qui est en kiff sur Bale, hein, je dois comprendre. Salut vieux frère. Un peu dégoûté quand même d'avoir pas eu l'execute. J'étais un peu lent. Putain, c'est déjà avec ce move là qui m'a niqué tout à l'heure.
bien carbo le sol, hein. Encore. J'ai un peu que ça a foudre bizarre. Oh, le cheval elle est clairement dedans. Non, ne t'envole pas. Oh, le lourd. Mais il est au courant que c'est juste il vole en boucle, mais je peux jamais le tuer en fait. Pas très smart le Drake, hein, je le dis. C'est fort ça. Tu m'auras pas une nouvelle fois. J'ai appris, j'ai grandi, je ne suis plus le même. Oh putain. À moins que. Putain, je touche tellement jamais la tête, ça me rend fou. J'essaye, je le jure, j'essaye. Ah, je savais, mais je savais pas d'où ça venait. Ouais, c'est le genre de moment où tu sens quand même que... un petit bleed, ça aurait fait du bien, quoi. Petit truc, quelque chose quoi, des dégâts, un stack, n'importe quoi. Ok. Ça tue ? Ça tue. Bon, c'était un peu pénible, mais... il est tombé. C'est un ennemi majeur. Il donne un cœur de dragon et... ah ! Chair d'écaille de dragon, c'est nouveau ça. Qu'est-ce que c'est qu'une chair d'écaille de dragon ? C'est... améliore la vigueur, l'endurance, la force et la dextérité au prix d'une perte progressive de points de vie. Masse de chair brûlante raclée sous les écailles inversées qu'arboraient les dragons âgés. Consommée telle qu'elle, améliore la vigueur, l'endurance, machin. Pour un guerrier draconique, il met des nectars plus enivrants que la chaleur d'un dragon. Ça fait sens. Ça fait sens. La robe, ça va hyper bien à certains mecs avec un gilet ou une veste. Écoute, depuis que Yungtog l'a dit... voilà. Alors, c'est dur de porter une robe en vrai. Une morpho quand même assez particulière, mais... ou une robe assez adaptée à toi. Ça marche peut-être plus simplement dans ce sens-là. De la floraison de Dracoflore. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un message, là ? Ok, ok. Est-ce que je vais à la grâce prendre un petit niveau histoire de pas perdre les thunes ou quoi? J'arrive d'où? J'arrive de là-bas? Ouais. Il y a trop de chemin, je sais pas où aller. Elle est où la map? Elle est... ouais, plutôt là-bas. Thune minière rouge. Ok, c'est marrant, on dirait les trucs rituels comme il y a là-bas. Là. Ça ressemble. Non, j'y étais pas allé. Les jupes, j'ai la vision. Genre jupe longue. Je peux voir cette vision, ouais. Je peux l'entrevoir. Mais bon, difficile quand même. Possible, hein, mais... difficile. On va essayer de monter par ici, on verra bien où ça nous mène. La map est plutôt vers l'est de toute façon, donc si on suit le long chemin à l'est, on devrait arriver dans quelque chose qui ressemble à l'endroit de la map. Je pense. Je
et un courant ascendant. Il y a plein de mobs là. Pourquoi il y a plein de mobs? Mais c'est encore eux. Ils ont pas l'air super hostiles de base. Oh, quoi que. Ouais, quoi que si, quand même. Hein. Un fragment d'os humain. Et du coup, c'est des humains ou c'est des animaux eux? Les hommes bêtes, c'est. Ouais, la moitié. C'est moite-moite, j'imagine. Hey. Hey. Ok. Manuel de grand potentat. Alors, j'en détiens tous les savoirs des grands potentats. J'ai pas utilisé un pot une fois de ma vie, mais. J'en suis où du DLC? J'ai fait quelques boss. Là, on a accès à Mesmer maintenant. On a accès à. La meuf de. De la putréfaction, hein, je sais plus comment elle s'appelle. Et là, on est dans le truc des dragons où il y a. On cherche à savoir qui est Bale pour l'instant. Vu qu'on a un PNJ qui nous en parle. Yahoo! Tellement abusé le truc en vrai. Il fait sauter tellement haut. Ok. Bon, j'imagine que je dois suivre le pont. J'espère juste que c'est pas un pont piégé chelou là. Vision de serpent. Non. Non. Ok, touch some grace. On va mettre un petit niveau de je sais pas trop quoi d'ailleurs. Même si les niveaux à mon avis changent plus grand chose. Ah oui tiens, je voulais prendre des sorts. Alors sans mémoriser. Bon j'enlève les sorts parce que clairement je m'en sers pas. Est-ce que je peux. Est-ce que j'ai un buff? Des soins, renforcement, machin. Comment la résistance aux dégâts sacrés, magiques, faudrait que je me serve de tout ça. Riposte lorsque vous entrez dans un certain nombre de coups. Ça pourrait être bien tout ça. J'ai pas un truc qui juste donne des stats, genre. Bof. Comme ça, c'est des sorts à chaque fois, hein. Ouais. Les buffs, là, me renforce moins, c'est pété. Oh, c'est où? Ah, ça? Flamme protège moins? Ah oui. Augmente la puissance d'attaque physique. Ah! Ok, ça, je veux bien alors. Après, rendre des points de vie, bon. Pas sûr de vouloir. Et au pire, je prends une résistance au feu, non? Un truc comme ça? Vu qu'il y a des dragons, je sais pas si c'est. Si ça a du sens, mais je pense. Et après, concrètement. Je peux prendre ça aussi. 37 d'intel, je les ai pas, non? Je sais même pas. J'ai un doute. Ok, ensuite. On veut. Un saut. Le niveau de mon saut, il change rien au sort, hein. Genre... Genre un saut random. Ils sont où mes sauts? Ah. Flamme des géants, flamme de Mesmer. Bestial. Flamme des géants, j'ai ça moi. Je suis pas sûr un truc de feu là, si. Je
suis pas sûr que ça change grand chose. Bon, on va prendre n'importe lequel, on s'en fout. Celui-là, je l'ai monté. Je crois que ça change rien. Je crois que c'est pour les sorts quand je tape. Bon, écoute. On va prendre ça. On va rester en charge légère. Bon, les talismans ont l'air de faire le taf pour l'instant. Par contre, faut que je change mes potions. Faut que je prenne des potions de mana. Au moins une ou deux, ça pourrait être bien. Je pense une, c'est bien. Ok. Ça dure longtemps ou pas, ces trucs-là? Aucune idée. On va voir. Ça doit durer genre 2 minutes, les buffs, non? Un truc comme ça. Sérieux là? Attends, attends. Mais je veux bien, mais Ah, le buff est fini là? Oh putain, oui, c'est très court. Attends, attends, attends. Je suis censé trouver un truc ici? Bon, on cherche Bale. Donc il faudrait avoir un endroit, une grotte, un truc, je sais même pas. Un château, un plateau, Vraiment, je vais me fight avec eux là? Mais c'est hors de question, pourquoi il a déjà perdu de la vie? Ils se battent pas entre eux à tout hasard? Ah, on dirait que si. Ah, ils se battent entre eux les cons! Magnifique. Bah, croyez-moi que je vais attendre. Hein. Enfin, je pense. Ah si, si, ils se fight entre eux. Je suis pas pressé. Ah oui, le carbo sa mère. Il y en a un qui est déjà bien low, j'ai l'impression. Il y a nos matchs, hein. C'est ridicule. €500 sur le dragon de droite. Non, mais c'est comme parier sur un match où il y a déjà 8-0, là, c'est quoi? Oh shit, he found me. Il entend bien le carbo là. Je peux pas faire de sort quand je suis sur mon Valche. Il me donne pas le... Donne pas le cœur, hein. Ses jambes, hein. Non, pas ça, c'est fort ça.
quand même beaucoup d'efforts pour peu de résultats, ce que j'en vois. Dégage, je dois le reconnaître. Tiens mon torrent, ça va aller. Ils ont pas des patterns de ouf, mais ils peuvent se douiller avec le feu, quoi. Ah, je l'ai senti, mais j'ai pas réussi à le dodge. C'est bien, c'est pas long, tu as un dragon. Ok. J'espère qu'il n'y en a pas qui rigole. Il y a un mec qui est en grosse darka là, qu'est-ce qui se passe? Merci. C'est qui? Drake Warrior. Egon. Piteous Egon. Do you not remember? Salut Egon. Your past. How once you were. When fear. Perso amnésique. J'imagine, je sais pas. Respect lui, hein. Drake Warrior. Drake Warrior. Friend, grant me this one wish. Take this finger, my finger. Tire sur mon doigt. Scale the jagged peak. Face bail the dread. Merci Spyersky's Park. Merci pour le sub. Summon me. Ça avance bien, ouais. Summon my soul. Appelez mon âme. My limbs are limbs no more. My heart is twice over. Mais il est tout foutu, le pauvre. Drake Warrior, I remain, and my soul yet lies on the mountain. D'accord. Doigt crochu d'Igon. Proud scale, summon me. D'accord. Bon, il veut que je l'implore. Il veut que je l'invoque, pardon. Mais implore de l'invoquer. Ok, bon, je l'invoque pas d'habitude, mais si c'est pour le lore éventuellement. Du coup comme ça. Merci Itaël, merci beaucoup. Pratique d'escalader les montagnes comme ça, putain si Inox il avait pu le faire, je vous jure qu'il l'aurait fait. Je grimpe les montagnes sans avoir rien à faire, quel bonheur. Des fulminiens rouges qui servent à crafter des enchantements de feu draconique, j'imagine, enfin, ou d'éclairs draconiques, je sais plus comment ils appellent ça. Mais ça a l'air d'être ça, non, j'aime pas vérifier je crois. À quoi ça sert exactement? La foudre rouge des dragons anciens, ok. Le cheval a des 4 pattes cassées. Il a de bon, il a de bonnes suspensions le cheval. Il a de bons amortisseurs. Oh là. Ok. D'accord. Danger, chute de pierre. Je suis à cheval donc ça va. Ah, esquive de l'arbre occulte, merci. Je suis à cheval, ça va. Je pense que là, à pied, c'est un peu plus chiant, mais. Mais sur le canasson, ça devrait être pas si horrible. Il y a un truc là ou quoi? Non.
C'est juste un autre moyen de monter, j'imagine. Un peu plus planqué, peut-être. Encore ? Vraiment ou pas ? Ouais. Ah merde, c'est pas le même ! Saigné Sax. Faut pas target ses jambes, lui, j'ai pas le droit. J'ai même pas pu jouer. Ah, je suis mort. Stylé. Intéressant. J'adore aussi le dragon. Ouais, il ressemble à Plastic du sexe. Je sais plus comment il s'appelait. On spawn juste à côté. Oh, ça va. Tu prends des dégâts? Tu prends des dégâts, je ne sais même pas pourquoi. Ah mais c'est bon, on a fait des... Tu vois, c'est là que le jeu est fourbe. Il me conditionne à jouer contre des dragons. Il me montre un playstyle qui fonctionne et d'un coup il dit sur lui non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Bon, si ce n'est qu'il n'a absolument aucun rapport avec les autres. Ah oui, donc ça c'est une zone de fou. Ah oui, d'accord. Oh, tu te mets du multi, c'est cauchemar. Ah, je suis mort. Ouais. C'est une Sax. Ancient Drake. Ok, ok, on va y passer du temps, mais... J'aimerais bien garder mes armes en même temps, parce que j'en ai quand même beaucoup. Ah oui, d'accord. Faut garder la map, en fait. Je comprends vraiment pourquoi est-ce que le jeu m'autorise plus à target ses jambes. C'était bien, je trouve. Tu dis toi. J'essaie de le jouer un peu tranquillement, je vais prendre mon temps pour bien comprendre tout ce qu'il peut faire. Il me semble que le cheval est quand même plutôt pratique pour l'instant. J'attends les grosses attaques vraiment douillesques qu'il ne saurait tarder à proposer.
vois pas ce qu'il fait. Attends, il y a des ailes en plus là, non? Attention, nouvelle règle. D'accord, je voyais... Mais je vois pas. Ah, nice, bah on est content. C'est bien le jeu. C'est agréable. C'est bien. Ça a l'air fun de se faire OS. Bon, c'est le concept, hein. Pas du jeu, bizarrement, mais de ce DLC, ouais. D'accord, c'est un plaisir. Alors on est très heureux, mais je ne peux même pas jouer. Nice. Pour l'instant, ça fait plaisir. On est vraiment content d'être là. Je veux juste récupérer mes âmes et voir après ce que je peux en faire, mais le jeu a dit. Dégâts non physiques, hein, j'imagine. Je sais même pas. Y'a pas un truc de résistance au dragon ou au truc draconique, non? Ça existe pas, je pense. Peut-être dans les sorts? Putain, mais je veux quand même mes âmes. Est-ce que je peux prendre mes boules, partir avec? Bon, j'imagine que je fais bien ce que je veux de mes boules, mais... C'est juste que je me casse. Le jeu il va arrêter la musique et on va pouvoir remonter. Sans doute. Mais c'est fini là. Plus de combat, je veux pas me battre. Enfin si je veux, mais pas maintenant. Quoi le plan? Il me poursuit dans la vallée ou quoi là? Oh putain. Alors pas lui là. Pas lui, mais il m'envoie des pierres. Ok. Il est amoureux ou quoi? Casse-toi, non? J'aime pas s'il se bat là ou il fait quoi? Mais je veux pas le combat. Bon, je vais partir vraiment loin. Que le jeu comprenne que ça m'intéresse pas. Et lui, je pourrais warper dessus après. Il a pris un Uber le dragon. Il a pris oui. Bon, bah c'est bon, je suis hors combat là. Sans doute. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de grâce avant d'arriver tout en haut. Quand même que je remonte. Ou alors je pourrais warper à une grâce d'avant, éventuellement ça marche aussi. Oui bon Je suis au bout de la map cousin, ça suffit non? Il retourne pas à son spawn, qu'est-ce qu'il fait en fait? Insoutenable frère. Ah bon. Ah mais y'a pas de grâce? Attends mais quoi? Non c'est une Marika. Oh pire. La musique qui se relance. Donc combien pour un niveau? 184. Est-ce que j'ai 20? Ouais. Ciao. Comme ça on gâche pas. Ce serait dommage de gâcher. Quelle différence? Quasiment aucune, hein? Il faut 3 esquilles maintenant. Wow.
C'est cher. Très cher payé. Bon, est-ce que j'ai besoin de jouer le katana des dragons ou pas? C'est quand même sûrement pas mal en vrai. Merci Steel Storm. Merci pour le contenu, mais merci à vous pour les abonnements surtout. Ravi de voir que le contenu en question vous plaît. Ça me fait plaisir. Vous me faites plaisir, globalement, je le dis. Vous êtes bien appréciable. Communauté bien appréciable. Parce que la DA de la chaîne, elle est jamais très claire. On fait un peu plein de merdier. Vous êtes en mode, ouais, franchement bien. Donc je suis content. Je crois que j'aime bien cette... manière de faire. Ça me plaît. Ah, j'ai eu des bonnes idées aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, j'ai eu des idées, je dormirai et demain je verrai si elles sont bonnes. Vu que ça marche comme ça. Le chat dort bien posé sur la table. Bah, il y a l'autre à côté sur le fauteuil. Ils sont en kiffer. Chaîne fuck around and find out, exactement. Merci beaucoup Archangel Mog pour ton prime. Bienvenue à toi. Ça fait plaisir. Donc comment on fait? Comme ça, j'imagine. Est-ce qu'on l'affronte à cheval d'ailleurs ce mec? Mais putain. J'ai dodge, hein, je vous assure. Mais je suis en train d'essayer de me barrer là. A l'aide. Allô. Oh, Roger. Qu'est-ce que je fais? Eh non mais... explique. D'accord, bon. Bien, il déteste les chevaux. Je ne peux pas jouer. Mais... comment ça me touche, frère? Je suis au bout de la map. Ok. Ça va être des émotions. En fait, le fait qu'il y ait le coup plus derrière que ça fasse une zone, parfois avec un délai, ça se fait si on se pose au sol, mais il va falloir être bon quoi. Et le cheval, ça dépend de beaucoup de facteurs, j'ai l'impression quand même. C'est un de ces combats où je me dis putain, avec le bâton et les spells, je serais peut-être pas si mal. Hein. Posé sur mon cheval. À lui envoyer juste de la pépite dans la gueule. On dirait une joute. Ouais, j'aime bien. Oh là, la caméra elle est revenue.
peux même pas jouer. Le katana, j'ai bien envie de l'upgrade juste pour voir les dégâts qu'on met avec, mais ça fait chier d'upgrade un truc que j'ai pas envie de jouer quoi. Après bon, ça a quand même beaucoup de sens d'avoir une arme contre les dragons à utiliser contre les dragons quoi. C'est monoglastière. Alors attends, il joue le bâton. C'est celui-là, hein. 52. Oh, j'ai pas, frère. J'ai celui-là, éventuellement. Eventually... Ah, mais faut que je remette mes sorts et je peux pas. Oh. Bon, bah, saoulé, je vais aller me chercher mon arme, là. On va se tenter le... Le katana des géants, je sais pas quoi, là. Je suis pas sûr d'avoir les bonnes stats pour, mais bon. Au pire. Viendra que pourra, comme on dit. Forgeman, c'est là, non? Non. C'est celle d'après. Ici. Est-ce que l'épée, je peux l'utiliser avec les stats que j'ai actuellement ou pas? 4 Il me demande 15 et 20. Ok. Hello. Alors, c'est celle-là. J'ai pas d'argent. Oui, bah, j'avais pas pensé. Ça vous semble évident, mais j'avais pas pensé. Bon, 17k, ça suffit, non? J'ai pas les larves pour reset mes stats? Si, mais j'ai pas très envie de le refaire juste pour un boss, non? Enfin, si je me retrouve à être obligé de le faire, je le ferai, mais... Streamers broke là, je suis broke as fuck, bruv. 3400 quelque chose. On va aller au bout des choses. Bonsoir, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. On débloque des boss au fur et à mesure. On est pas mal. Combien c'est ça? 200. Ah ouais, abuse. Tu abuses de la misère, toi. Hein. Tu abuses de la haisse, mon frère. Qu'est-ce qu'on veut mettre par-dessus? J'ai pas un peu de... Ça, je viens de le faire, non? Rune dorée. Non, peut-être pas. Y'a quoi là-dedans? 3000, voilà. Là, tu me plais, là. Vas-y, envoie-moi du Drake. Scaling C. J'aime bien Scaling C, moi. Attends, c'est quoi les dégâts? J'ai 372 plus 206. Ouais, je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus fort que ce que j'ai moi. Après, s'il y a des dégâts bonus sur les dragons, forcément, ça va être mieux. Mais on va voir. Pied du paix. Pied du paix. Pied du paix. Pied de biche. Pourquoi j'ai pas la map dans le reste? Déjà. Elle est où la map? Voilà. Ok, du Sniffa. Un Sniffa, quel émote cursed. Je crois qu'on l'a pas sur cette chaîne et c'est pour une bonne raison, parce qu'elle est affreuse. Attends, est-ce que si je vais nord-est, on peut trouver la map? Demain tu maxes ta force. On peut demain sur le cheval? Non. Ah mais c'est loin! Ah mais en fait la map est forcément sur le pic là, non? Ouais, sans doute. On verra plus tard. On va remonter. Pour affronter le Droguin. Il est encore là le Kouz ou pas?
Mais il est mort. F. F pour Igon. Salut Isaya. F pour Igon les amis, ça a été un bon frère. Je sais pas à quoi il sert, je sais pas ce qu'il veut, mais... Mais F, mon très cher Igon. Bon, j'ai mis l'arme à plus 10, si c'était un flop, je suis dégoûté. Je m'attends pas à faire des dégâts de fou, mais... Sait-on jamais. Le weapon art, faut que je le tente. Oh, c'est beau ça, j'avais pas vu l'orage comme ça. Je crois que c'est un truc les plus beaux que j'ai vu de ma vie, ça. Un orage quand j'étais petit. Ou vraiment, genre, tu sais, le ciel se craquait, je sais pas comment dire. Il y avait vraiment cet effet qu'on vient de voir là. C'était incroyable. Merci Tsukino pour le resub, merci beaucoup. J'avais trouvé ça dingus. Alors, katana à deux mains, weapon art léger. Ah non, y a pas de weapon art léger ou lourd, c'est juste weapon art tout le temps. Ok. Alors comment je fais? Est-ce que je le tente à Valcheux quand même? C'était pas si mal, je pense. Faut juste voir les dégâts que je lui mets ou pas. Elle couvre une telle zone. Très heureux de pouvoir jouer. Et putain, mais y a pas de combat dans ce... Je déteste ça. Pourquoi la caméra est un adversaire en plus du jeu? Les boss sont déjà forts. Par contre, moi je lui mets une patate dans la tête, il mange. Et bon, vu que moi je mange tout le reste, j'ai envie de te dire... Pas non plus On vient de faire un snap avec la musique de PNL. Oh, j'ai rêve. La caméra est assassine dans ce jeu. Ah, des fois, elle est pas avec toi, ouais. Ça, je peux le dire. Je suis bloqué! Ah, c'est du faux son. Putain, mais je vois même pas ce qu'il fait! Je vois même pas ce qu'il fait! Je demande juste à voir! Laisse-moi te voir! Je veux te voir dans un. Quelle heure il est? 1h du mat? Salut mec. Ça a de la range ça ou pas? Si peu, de peu. Mais putain. Il est où? Fais du feu. Ouh, ça tabasse. Ok, attends, il y a un truc, il y a l'air d'y avoir une strat. L'arme lui fait mal, mais putain, il est infect en fait. Tu
prends que des zones en perma, il tape horrible. Mais. C'est quoi comme boss majeur? On a fait le lion, on a fait Relana. On a fait l'hippopotame. Enfin, je sais pas ce qui est majeur ou pas, mais. Oh, j'ai l'épaule de long cette fois-ci. Sérieux, mec? Ça me touche, hein? Ouais. Tu chouques? On n'a pas le choix de devoir apprendre tous ces patterns par cœur. T'es touché, non? Attends, y'a pas eu le bruit du stagger? Je dois être fou. Je dois être fou, my bad. Et qu'est-ce qui me touche? Je comprends même pas. Le truc explose derrière moi. Le bruit de mon arme en fait. Le bruit de mon arme. Oui d'accord, il m'envoie du vent, j'ai compris, laisse-moi jouer. J'étais sûr d'avoir dodge. Bon, j'aurais pas assez de mana pour faire le combat, mais au moins je sais qu'avec du mana, il y a de quoi faire. Mais ça, je suis persuadé de l'esquiver à chaque fois. Bon, il va falloir qu'on fasse du boulot. Il tape dans ses jambes. Ah ouais. Ah là, je vois pas. Ok. Ouais. Je suis pas convaincu, hein. Je suis pas convaincu, mais pourquoi pas. Je sais pas si t'as déjà donné ton avis sur la polémique de la difficulté du jeu DLC, t'en penses quoi? Bah, j'en pense que c'est bizarre, mais pourquoi pas. Voilà. Je trouve que c'est très différent du jeu de base dans sur tous les aspects. Au sens où ça te demande de faire plus d'exploration entre guillemets. Tu te fais two shot quoi qu'il arrive. Ça c'est un peu chelou aussi. Même si t'as des builds assez tanky, j'ai l'impression que tout le monde crève pareil. Le scaling ignorant au DLC je comprends, ça avec les gens qui ont déjà fini le jeu vont pas se meurtre dessus, mais ouais, je sais pas, Je trouve que c'est quand même très bien, hein, l'univers est stylé de fou, enfin tout est très bien, à mon goût. Mais ouais, je sais pas si je comprends vraiment toutes les décisions. Enfin, je les justifie, tu vois, mais est-ce que j'aurais fait ça, moi? Bon, je sais pas. Je suis pas game designer, hein. C'était pas plus mal. Ok. Faut que les dragons... Ça va, ça accorde ou quoi? Seul défaut du jeu. Ah non, mais J'apprends. Je découvre la zone.
fini le 100% du DLC demain, je suis heureux. Putain, t'as joué tellement 800 heures, c'est vraiment. J'ai vraiment une vie de seigneur, j'aime trop la vie, mec. En tout cas, des jeux de fou. Fait que game. Tape des grosses nuits blanches à 35 ans, c'est vraiment la vie d'artiste, je veux ça, moi. J'aspire à être comme toi. C'est quoi ça? Allez. Tu es trop ce geek. Mais je m'en suis rendu compte avec. Chien, avec la Zilan. Je pensais pas que t'étais à ce point ce geek. Ouais, bon, ça tabasse bien, mais. Encore faut-il pouvoir vraiment lui envoyer, quoi. Faut bouger. J'ai attendu. Bon, ça, je sais pas trop quoi faire, j'avoue. Ça non plus. Ah, je sais pas ce qu'il fait, c'est pas clair. Je vois même pas ce qu'il fait, cousin. C'est pas un jeu vidéo, là. Mais j'ai l'impression qu'il tape au bout de la map et ça me touche. Je crois que c'est parce que c'est le cas, hein. C'est quoi ça, j'ai oublié? C'est bien. Ah, c'est nouveau ça! Ok. Il y a dû voir une phase 2. Il n'y a pas 35 ans, ça, encore, excusez-moi. D'accord, un jour il m'a dit à 25 ans ta vie elle est finie. Alors que mec, c'est là qu'on a commencé à vivre vraiment, hein. Je crois. Je peux pas jouer là, qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça fait mal ça. I'm running free. Pas dans l'eau là en plus, on a menti. Qu'est-ce qu'il fait? Ouah, mytho, j'ai tellement esquivé. Vas-y frère. Oui bah je peux chauffer parce que tu fais fils de pute. Pute, fils de pute. Non, j'ai hésité à... Non, mais si. Hein. J'ai hésité à varier, à me dire non, on va être politiquement correct, mais... Mais voilà quoi. Merci Dutch, je sais, j'avais compris. Ça se voit peut-être pas, mais je suis pas complètement con. À nous deux. Comment il s'appelle? Senesax? J'aime pas son nom. Je vais le renommer. Après, on fera jamais mieux que Plastidusex. C'était quand même vraiment le nom de roi. Qu'est-ce que je fais? Je prends feu. On va rentrer. J'ai l'impression chaque fois qu'il y a le bruit que tu sais du stagger, mais jamais. Mais je pense que l'eau ne fait rien, non? On sent que ça se répand sur les cailloux aussi, son truc. Hein. À mon avis, ils ont pas été poussés de l'air jusque-là. Hein. Juste la foudre, elle se répand, hein, c'est tout.
quoi ça? Je sais même plus. Ah oui, c'est, il fait de la... Bon, merde. Oh, ça suffit! C'est bon? On peut jouer? Héro, mon ami? Oui. Bonus des galaxies dans l'eau, mais on est... C'est Pokémon maintenant ou quoi là? C'est Pikachu en face? Il met un coup critique quand je suis... C'est quoi le truc? Ouch. Ouais, généreux. Bien généreux celui-là. Il va jamais au sol. Non, bah c'est ce que j'essaie d'avoir depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je l'enchaîne un peu, mais je le trigger pas. Je sais pas pourquoi je mets ce buff, il me sert à rien. Ah bon? T'es content? Non mais putain! Ça me trop marre! J'ai l'impression d'être à 1000 mètres! Peut-être pas. My bad. Est-ce que je dois laisser le coup de... Je dois laisser le coup me taper? Je laisse le coup de patte me toucher, into j'esquive le truc rouge? Peut-être mieux. On va voir. Comment je... Je suis au bout du monde. On va mettre des rolls au hasard et puis voilà. Hein. Si c'est la vie qu'on doit mener, on se la mènerait. En fait, je comprends pas pourquoi est-ce que... Le truc spawn dans son sillage, pas de là où il tape, genre il tape, puis ça fait une zone où il a tapé, tu vois. Pourquoi est-ce que ça le fait sous lui, là? Le truc apparaît de sous lui. Genre vraiment, la boule, en fait, c'est des boules, et la boule est apparue sous lui. C'est même pas genre, elle vient d'ailleurs, tu vois. Donc j'ai peut-être pas compris l'attaque, ça doit pas être ça, ça doit pas être genre le sillage qui tape, ça doit être un autre truc. Il va y avoir une autre règle. Pour l'instant, c'est pas super clair, j'avoue. Bon, il m'emmerde quand il fait ça. Mais... Oui, oui, crache ton feu, connard. Ouh. Voilà. C'est chaud, ça brûle. On va gâter le coin. Il a enlevé les apparences, il n'est pas touché, mais ah, lui, il me touche. Les marolles, elle est partie aux fraises, bon. Sans doute. Attends, on s'en va là, on change de map. Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi là? Je l'emmène où là? Bonsoir! Tu veux venir avec moi jusqu'à Lingrave? On fait quoi? On rentre à la maison? D'accord. Ça marche. Il s'est téléporté, je savais pas.
sympa. Tout à l'heure, il me poursuit au bout de la map, et là, la flemme, là. Non, ça lui plaît plus. Oh, il me fait chier. Bon, Ah, là, non, mais tu vois, regarde, genre, il tape devant lui, et je suis mort sur sa patte arrière. Pas clair. Il y a un exploit, j'ai la vista. En vrai, il y a un exploit, je pense, mais bon. Est-ce qu'on a envie de faire ça? Peut-être dans une heure, on verra. On en reparle dans une heure, les mecs, ok? J'aviserai si... si c'est l'exploit. Donc là, il invoque ses orages de merde, on les voit pas. Voilà, donc là, il y en a un qui est sur moi, non? Je sais même pas, frère, mon écran était tout rouge, genre que j'ai vérifié avant. Bon. Vas-y. Ah ouais, ça c'est fun, ça. C'est cool, j'en arrivais sur lui dans le jeu de base. C'est Nessax, il est dans le jeu de base? Tu confonds pas avec le goat plasti du sexe? Il a littéralement la même gueule, donc ça serait explicable facilement. Qu'est-ce qu'il fait? Allô? Il se bat là? Il fait quoi? Il manque une patte. Bonsoir? Pas clair, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bon, ça pète pas mon shield, c'est déjà ça. Je sais même pas ce qu'il fait, bâtard! Ah ouais, d'accord. Ma faute. Bouf! Oh oh. Mais je le tape quand, moi? Peut-être plus tard, on verra, hein, je repasserai. J'ai pas touché. Il est où? J'aime pas ce qu'il fait, t'es où? Je sais pas, il crache du feu, d'accord. Ça marche. Il crache du feu dans une autre map apparemment, il est en train de cramer un autre joueur. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Bien le jeu. Pas de soucis, très bien. Ah, lance-sexe. Ah, lance-sexe, il est fort en vrai. Attends, tous les dragons comme ça, ils sont forts. Mais... pas pour les bonnes raisons, Imo. Vas-y, cousin. J'avoue que les combats de dragon, c'est pas... en fait, le mec, il y en a eu 3 avant celui-là, c'est pas excitant. Hein. Aïe. Mais putain, mais tape le dragon, connard de perso de merde, il est con! Je veux me manger! Je le touche pas là! Oh là là! Mais il est vite mon perso, regarde-le! Vous voyez bien qu'il galère, il est là. Ça me touche? Merde. La caméra s'est délogue du mob et du coup ça m'a tué. Ok.
Il a dû sortir de mon écran, je sais pas. Probablement. Pas faire le one shot. Ah bah tout le DLC c'est que ça. Hein. Donc là, faut esquiver les machins rouges. Ah, ça monte sur les cailloux. D'accord. On sait que j'allais arnaquer l'horizontalité. Oh bon, okay. Crash ton feu, mon pote. Vas-y, crash ce feu. Crache-le, ce feu. J'suis pas ton temps, moi. C'est quoi, ça? Ouais. Bien sûr. Après, tu fais quoi? À un moment, je vais te taper ou pas? Tu vas pouvoir faire un truc? Voilà, si tu veux. C'est bien, ça. Ah ouais. C'est fun. My bad brother. My bad brother, c'est toi qui avais raison. Il fallait juste mettre un coup de queue. Depuis le début. Depuis le début, les gars. C'est ça la vraie strat. Faut mettre des coups de queue. C'est lui qui nous l'apprend. C'est les dragons anciens eux-mêmes qui nous l'ont dit. Et nous, on est naïfs. On les écoutait pas. Merde, j'ai pas mis mon spell. Bon, si je vais au bout de la map, j'ai le droit, non? C'est pas clair. Salut, brother. Norbla. Bonjour. Bon, je mets des rolls au pif, on verra bien ce qui se passe. D'accord. Même les cailloux sont contre moi maintenant, on est où, là? La folie quand même. J'arrive même pas à le taper, vous rendez compte de la honte ou quoi? Il est où là? Il fait quoi là? Et je sais même pas ce qu'il fait, putain, le jeu il me montre pas. Mais c'est quoi cette... C'est complètement con mon bonhomme ou quoi? Tape-le frère! C'est quand même pas dur. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Il fait du vent. Il fait du vent très fort, du coup je suis mort. Oh mais c'est bien, c'est logique, on peut jouer en plus, je suis pas dans le mur. Bien joué. Bien joué le dragon. Tu es fort. J'aurais pu te one tap tout à l'heure mais tu l'as fait avant moi malheureusement. Exclamation sub. C'est quoi l'info que tu cherches? Comment on s'abonne, c'est ça que tu veux? Ouais, je pense. J'ai envie de prendre feu. J'ai envie de me faire immoler par le feu. Là. Est-ce que... d'un point de vue langue française, on peut se faire immoler par quelqu'un d'autre? Ou est-ce que s'immoler, c'est pas un truc que t'es obligé de faire tout seul? Vas-y frère, j'en ai marre de cette attaque, j'aime pas quoi faire contre. Je vais te rouler 47 fois de suite. Fendel. Immoler par Nekfeu. Non, c'est... Je vois pas ce que tu fais, j'adorerais pourtant voir, je te jure. Mais je veux jouer. Ah ! Cours ! Immolé, c'est pas un Pokémon. C'est un bon Pokémon en vrai. Mais je suis pas convaincu, non. Oh putain, oh putain.
Qu'est-ce qu'il fait? Eh bah, chien que t'es, va. Et après, c'est quoi la suite? Ouf. Mimolette, c'est du fromage, oui. Je m'immolerai par mimolette. Ah, j'ai raté là. Quoi? Vas-y, frère. Ils sont pas clairs, ces hitbox, merde. C'est bien ça. Ok, couvrir sur le côté, on retient. Comme tous les autres dragons du jeu en fait. Encore? Il arrête quand? Je suis mort. Bon, ça va. Ya! 1200, je l'ai mis? Oula, y'a un problème là, je suis malade ou quoi? Ah, j'ai dû le toucher avec le bout du bout, quoi. Comment je fais? Oui, bon, allez, c'est bon. T'as compris. Ça me gratte le nez, cousin. Ok. Bon, maintenant, on fait quoi? Je peux pas te toucher. Tu voles. Il y a des cailloux partout maintenant. Abuse, hein. Mais c'est minable, putain, j'arrive même pas à le toucher, quoi. C'est d'un vide, mais alors d'un vide. Mais un jeu direct. David et Goliath. Bien vu. D'un vide douillet, ok, pas mal. C'est bien que vous êtes pas un peu con, vous êtes dans le coin d'or. Hein. Tu es vaincu, Sénésax. Bon, c'était un peu la lutte du mana, mais ça va. Des pierres de dragon, qu'est-ce que j'ai au moment. J'ai fait ça pour ça là? Non. Non, me dites pas que c'était un boss optionnel de merde et que j'en ai rien à foutre. Non. Si. C'est quoi ça? Oh, c'est un, c'était un mec, mais il est mort. Bon. J'ai récupéré une fleur. Je suis très fan de fleurs. 200 000 Eden! Ça va, c'était, ça valait le coup. Il y en a, il donne 200k, c'est bon. Merci à Sénésax. Pour les bons travaux. On donne 200 000. Un petit niveau qui sert à rien en foie là. Tout dans le foie moi. Comme un boxeur. Alors. Mais Attends, c'est pas possible, y'a un problème.
l'autre il m'a dit grimpe le machin. Attends, attends, il y a un souci. Il m'a dit grimpe le machin pour aller voir. Pour aller voir Bane, et après. Non, Bane c'est dans l'autre jeu. Mais si, il y a un chemin là, c'est bon. On est bon. S'il n'y a pas un caillou qui me tombe sur la gueule, c'est vraiment bizarre. C'est quoi, c'est des dragons ça? Ah oui. Enfin, c'était des dragons. Comment ça, matériaux? Matériaux de quoi? Oh! Du granit tranchant. Ok. Oula, attends, c'est. Y'a toute une ambiance là. C'est la teuf là au dehors. Si lui c'était juste un warm-up par contre, qu'est-ce qui m'attend après quoi? Oh là. Oh là. On va toucher de l'herbe. Ça peut faire du bien. Alors. Putain, je suis tellement un mec de la foi quoi. La pire tat. Un dégât à chaque fois, ça sert à rien. Oula. Bonsoir. Ah, il n'a pas l'air de faire bon vivre dans cette région. On se le dise. Ah. Sérieux là? Ils ont mis des lits magma ensorcelés, qu'est-ce que ça me fout? Manuel d'Igon. Qu'est-ce qu'il sait faire, Igon, que je ne sais pas faire moi? Oh dieu. Alors, Manuel d'Igon. Il est où? Il est pour l'eau. Là, je crois. De communion draconique. Là, c'est pas le truc que j'ai fait tout à l'heure. Ah non, c'est chair d'éca de dragon. Ok. Ah mais je viens d'en bas, donc proche. Ouais, faut monter en fait. Je viens de loin, mais vu mon temps, à faire les choses bien. Qui peut me stopper? Renier mon identité. Est-ce que je ramasse les granites machin? Ouais, sûrement. Bon, y'a la foudre des dragons qui s'abat en permanence. Enfin, même pour 10 milliards, je vis pas ici, quoi. Y'a plein de chemins différents. Est-ce qu'on dirait qu'on peut monter là, mais y'a aussi un courant d'air. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, c'est un saut spirituel, je crois. Un saut spirituel. Jouer. Là en face on dirait qu'il y a un chemin mais en même temps on dirait que ça sert à rien. Donc je pense que ça sert à rien. Oh, il y a une fleur. Comment vous savez s'il y a une fleur? S'il y a une fleur, je suis très con. Oh, mais il y a un chemin. Attends. Parce qu'il y a un chemin, mais je pense pas que ce soit le chemin. Parce que, à mon avis, le chemin, c'est avec le jump. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula. Ok, donc l'orage s'était arrêté une frame, il reprend. Et il y a de quoi monter encore. Ok, donc là, je suis venu du mauvais côté, je pense, non? Tout simplement. Ah, c'est peut-être plus une sortie qu'une entrée là où je suis. Oula. Bonsoir. Ah, c'est peut-être plus une sortie. Genre, le truc que je vais faire va m'emmener en haut, genre, et après ça sera le contrebas ici. Pour se barrer. Ouais, c'est plus logique dans ce sens-là que dans le sens que j'ai pris, moi. En tout cas, en logique
de game design, on va dire. Enfin, de level design. Je pense. Bon, on verra. Ouais, non, c'est ça, clairement. Manque cruel de cartes. C'est vrai que j'ai toujours pas la map. Bon, j'imagine que c'est normal. Mais ça va devenir inquiétant au bout d'un moment, je pense bien. Ouais, voilà, ok. Donc c'est bel et bien ce que je pensais. Oula! C'est toute une ambiance et je suis pas sûr que ça me plaise. Ok. Il va falloir mettre une grâce hein, si vous voulez mettre un boss. Ok, il y a des smegmas de foudre là encore. Pierre de forge dragons anciens, ok. Bon bah si on veut upgrader des trucs de dragon, on pourra. C'est quoi ça? Des fleurs de dragon? Est-ce qu'on aime les dragons? Pas tant que ça, moi c'est pas un truc qui me fascine tant. Hein. Pourtant j'avais quand j'étais petit le livre, vous savez. Draconologie, je sais pas quoi là. Incroyable, hein, quel bouquin de fou. Si vous avez un gosse, franchement, je pense que c'est intemporel, achetez-lui. Quand je veux l'objet. Merci. Le livre extraordinaire. Attends, mais je viens d'où moi? Je viens pas de là. Mais bon, on va continuer de monter pour le moment. Ouf, oh la reine de boss. Oh là, je pouvais pas la faire plus discrète. Tu pouvais pas me faire un boss plus discret que celui-là, je t'avoue. Là, franchement, je me doute de rien. Petite grâce. Un gros plateau, mais caché par une toute petite entrée pour que vraiment j'ai un effet waouh quand je rentre. Non, c'est bien, hein. Non, c'est bien, c'est bien. Il est avec les dioramas, doit être ça. Ouais, je crois. Oh oui. Ah, il y a pas de cheval ici. Wouhou. Vas-y. J'aime trop le fait qu'il tape sur son torse comme ça. Bon, t'es où? Oh, bâtard. C'est toi, Bale. Effroyable là, ouais, je suis effrayé là. Oh pétard. J'en ai marre des ennemis gros et rapides, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vais pas invoquer le mec, si si, mais je sais pas où il est. Bon bah on en a pour 103 try hein, à mon avis. Safe comme roll ça. Bon, l'avantage de Bane c'est que sa tête est assez près du sol. Ok. Sa tête est assez près du sol de manière globale, j'ai l'impression. Ouh. Ok, c'est une chose, on découvre. Ah oui, d'accord, c'est one shot en plus. Après, la plupart des shops du jeu te one tap en vrai. La plupart des coups du jeu te one tap, juste certains sont un peu plus cool que d'autres. C'est la seule différence. Alors est-ce que je peux l'invoquer maintenant et je pouvais pas avant parce que le jeu voulait pas me spoil qu'il y avait le boss alors qu'en vrai c'était obvious. Peut-être pas. Hein. Où est-ce que j'invoque le Kouz? Avec son vieux doigt. Ah, peut-être je dois juste claquer son vieux doigt. Hein. Objet clé. Non, objet clé, je peux pas l'utiliser. Emplacement de sa marque. Alors, faudrait que je trouve sa marque déjà. Marrant. Et moi, je veux bien l'invoquer, le frère, mais. Pas trouvé. Bon, je crois que c'est pas obligé, de toute façon.
Normalement, tous les PNJ qui demandent à être invoqués, ils s'en foutent un peu. Dans l'arène, ce serait bizarre. Ah si, il est là. Bah, je veux bien t'invoquer, cousin, mais... Ouais, Igon. C'est pour le RP, hein, je fais ça juste parce que le lore a l'air cool. Oh merde. Mais il fait que jacter, il sert à rien, c'est ça? Il se prend Kex. Il est tellement mort. Il s'est fait chiquer. Ah, il se relève. Bonhomme. Il est stylé, sa voix est vraiment cool. Des si rapides, bon dieu. Oh putain, je connaissais pas ça. L'attaque comme ça en laser. Wouh. Qu'est-ce qu'il fait? Excusez-moi, j'étais en train de me dire, waouh, stylé. En fait, le combat continue. Ouais, c'est surréaliste que je prenne pas de dégâts quand c'est comme ça. Mais il lui manque une jambe. Ça me comprend, non? C'est pas un point faible? Non, ça va pas là. Non, mais il est pas mort l'autre? Ah si. Ah ouais, ok, ça marche. Ça marche, beau boss. Rien à dire. Mais c'est les boss, moi je me demande, surtout les boss du DLC, enfin quasiment que les boss du DLC d'ailleurs. Je me demande, mais tu tapes quand en fait? C'est pas marrant d'esquiver des combos de 3000 hits qui prennent la map. C'est pas ce que je demande. Je veux jouer, moi. Je veux me sentir content, mettre des petits coups, pac, pac, pic. Je veux jamais taper. Comment ça me touche? D'accord. Quoi? D'accord. Mais là, je comprends pas ce qui m'arrive. C'est juste... D'accord. Pouce en l'air. Pouce en l'air pour ce boss. Un petit combo là, on est content. J'ai vraiment pu jouer, c'était appréciable. Quel jeu. Au perso, ils volent pas, mon build est nul, ouais. Je suis d'accord. Quelle heure il est? Il est 2h du mat? Non, c'est pas juste ça. Ouais. Est-ce que pour l'or, je dois l'invoquer ou on s'en rend? On s'en fout, hein. Je fais que 1400, c'est bien. Ouais. Ah, caméra, calme-toi là. On peut pas faire. Patrol in.
crois que le début de la roulette était parti, mais... Mais non. Ok, donc faut savoir si il casse du feu ou s'il casse la chope. Ça, j'avoue, j'ai pas encore bien trouvé la nuance. Mais on va trouver. Il va y avoir une petite différence subtile. On mettra la main dessus. Ok, roll in, ça c'est bon. Pour le graphe. Ça, je sais pas. Pas trouvé. Là, je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est sa tête, ça ? Non, je comprenais même pas. Je crois que c'était son cul. Je crois que c'était son cul, je rigole même pas. Ah, ok. Okay, il m'a tapé avec un truc qui était hors de mon écran, ça arrive. Allez, je suis mort. Mais je m'emmerde à faire que ça, là. Putain, j'esquive, je me prends le coup quand même. C'est étrange. J'ai juste parlé. Ça, je sais pas comment j'esquive encore. Peut-être je peux roll in aussi à un moment. C'est la chope. Mais je suis sûr d'esquiver tous les coups que je prends, c'est fou. Je suis content de pouvoir le taper, en tout cas c'est agréable. Mais quel cauchemar, putain. Il fait que des zones sur lui, du coup je peux jamais taper sa tête. Ou même taper tout court d'ailleurs, j'ai l'impression. L'animation de l'arme, genre le balayage, en fait ça tape tout le temps en mode typique de merde, sauf que ça, ça fait zéro. L'attaque lourde, c'est une... Ah mais elle est lente, sa mère. Pourquoi tu oses pas rien. Être la lourde qu'on va envoyer plus, hein. Et ça, c'est bien, mais bon. C'est bien, mais pour le caler, faut avoir très envie d'être présent, quoi. Mais. Alors, ma faute, je pense avoir d'autres. Ça c'est juste one shot quoi qu'il arrive, ok. Il ressemble à Exodia. Ouais, un peu la tête, ouais. Monster Hunter, tu spams le counter en dual blade, c'est first try. Ouais, et dans Super Mario, je prends une étoile et je suis invincible. Ouais, bon, bah... Tu m'avances pas trop là. Mais putain, j'ai roll, frère, je le jure, vous me croyez pas, mais je le jure. Mais je lui ai mis si peu de dégâts en bourrant autant. Oui, oui, oui. C'est les problèmes, ça. Hein. Ça, c'est vraiment les problèmes, par contre. Hein. On va y passer un moment à Bale. Après, je pourrais revoir les autres boss d'avant, mais j'ai pas envie de mélanger les boss, c'est un peu le problème. Oui, on dirait un peu un boss de fin de... Pas de fin d'acte, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un peu le boss de sa zone, quoi. Oh là là. Même pas le temps de taper. Okay.
Bon, il y a tout de Hitbox que j'ai vraiment pas compris par contre, il va falloir que ça rentre. Dommage que ce soit pénible de juste toucher l'adversaire. Quoi. Il a très fort le sens de ma force. Bon, ça, je sais pas quoi faire, j'avoue. Je dirais qu'on peut roll dedans quand même, mais c'est pas clair. Ça c'est genre un mur en gros qui l'envoie, ok. Ce coup là ça va, bon c'est déjà 1 sur 15, 9-0. Ça c'est la chope, voilà. Ah oui d'accord. Bon c'est un seul coup du coup en punition. Ah ça, ça tape avec les deux mains, on la prend aussi. Ça je sais pas quoi faire, genre quand je le roll une touche, quand je le roll... Ah d'accord, ok, c'est bien. Y'a pas d'autre point que sa tête. Non, j'arrive pas à target le reste. J'essaie de bouger mon curseur, mais ça marche pas. C'est marrant parce que les dragons, ils avaient au moins deux points. Lui, j'ai pas l'impression, peut-être qu'il faut que je réessaye mieux. Mais c'était pratique de pouvoir target les jambes. Bon, là, il en a qu'une seule, je comprends, mais bon. Quand même, quoi. Ouais, y'a un seul point, que sa tête. Sa tête ou rien. Alors, je suis un trop là, faut que j'apprenne avance, hein, de la prendre. Ça faudrait qu'il me la fasse 50 fois de suite pour que je comprenne quand est-ce que je peux la dodge. C'est ça, mais un peu tôt, je pense. Bon, ça, j'étais un peu trop près. Ah oui, c'est un seul coup et faut se replacer direct. C'est même pas un peu content d'avoir tapé, quoi. En avoir dodge. Ah, ça, c'est ma faute. Le combo est plus long. Cette arme est vraiment meilleure que l'ancienne sur lui. Alors, je suis pas sûr que ça ferait une grosse différence, hein. Honnêtement. Parce que le weapon hard de celle-là fait quand même mal en vrai. Quand je le cale, même dans son ventre, ça fait 1200, un truc comme ça. Je pense que mon arme de base fait pas autant. Et c'est ok, mais bon. C'est horrible de juste pas pouvoir le taper, quoi. C'est pas agréable! Ça c'est trop tôt, mais ça a l'air d'être ça quand même. Un coup et je me replace. Ouais, t'as vraiment pas le choix. Allez! Le fait que je puisse que lock sa tête, ça m'embête un peu en vrai. Vous savez qu'il y a des déplacements qui sont horribles, alors faudrait carrément que je le lock pas, mais... C'est presque pire, quoi. Ah bon ? Bon, ça, si je suis mi-distance, je peux juste me barrer en vrai. C'est ok. Je peux même pas punir la shop speed avec la lourde quoi, c'est horrible. Ok. Non, on est content de pouvoir lock les pattes, mais là on peut pas. Mais là j'avoue que, je sais pas comment ils l'ont imaginé, mais j'avoue que le seul point d'ancrage sur sa tête c'est chiant. Alors que l'hippopotame on avait pas le droit de lock sa tête. Alors que c'était clairement encore mieux.
Dommage qu'il n'y ait pas plusieurs points sur les mobs énormes comme ça. Même l'arbre y avait. C'était pas si mal l'arbre. Avec le recul, j'ai bien aimé. Je puisse même pas taper. Ah oui, d'accord, ok. Donc dès qu'il me tourne le dos, faut que je m'attende à ce qu'il me bourre. Dommage, un peu tôt. Je sais pas ce qu'il fait. Quelqu'un des nouvelles. Ça. On sait pas trop, faut deviner. Bon, ça j'ai l'air d'avoir le droit. Il y a quand même du mieux au global, mais putain, qu'est-ce que c'est long de le tuer en le touchant jamais. Si je le touchais vraiment à chaque fois que je tape, ça va, mais... Bon, ça serait quand même bien dur, mais... Au moins, j'aurai pas le sentiment que c'est juste... Hein, juste sa mère. Oh, la caméra, elle donne la gerbe, sa grand-mère. D'accord. Oh là là... Complexe, hein. Complexe, complexe. Est-ce que ça lui fera des dégâts ou pas? Je suis même pas sûr, hein, franchement. Je m'autorise un immense doute. La P2 est sublime. Ouais, je l'ai vu 4 secondes, c'était pas mal. Oula, normal ça? Pas sûr. Hein. Ouais, je suis à 0. Hein. Ce n'est pas la strat. Hein. You are not the father. Un peu moins lent, mais... Je suis un peu moins lent, mais c'est le seul au fait qu'on est... Pour essayer de vous surprendre, le feu n'est pas très fort sur le dragon. Cette attaque elle est trop forte en fait. Il me chope dans ma course tout le temps. Un peu gaze niveau dégâts. Ouais. Je suis pas conquis. Je suis pas conquis. Attends, je suis en charge moyenne de base ou. Ah ouais. Est-ce qu'on peut gagner un peu de vendu? Un peu de charge quoi. Ça changera pas grand chose, mais bon.
J'ai des lobes parce que la tête je la sentais pas. Ça, je ne suis pas capable de l'esquiver, c'est un truc de fou quand même. Ça a pas l'air si fort l'attaque en plus. Oui. Genre là, j'ai pas roll, ça ne m'a pas touché. Peut-être ça va strat, on va attendre super fort en fait. Merde de pas réussir à le toucher quand je tape. Faut pas avoir le vomi, hein. On a pas eu avec sa queue, je suis très heureux. Ok, donc ça c'est la transi, on va la planer, elle est stylée. Enfin, les ailes elles sont ouf par contre. Je sais pas d'où elles apparaissent, mais elles sont ouf. Ah oui, c'est vrai qu'il tire des boules. Life is life. J'ai niveau combien de bénédictions avec les esquilles? On est niveau 9, je crois. J'ai pas les meilleures sets pour jouer mon arme. Pour jouer quelle arme? Celle-là ou l'autre? Les deux, hein, ouais. Enfin, l'autre, ça dépend de ce que tu veux faire avec. Ouais. Pour les weapon arts, non, c'est pas ouf, mais pour taper juste de base, c'est pas si mal. Ça faut attendre vraiment que ça arrive sur moi, je pense. Ah yes. On a fait quoi comme boss pour l'instant? On a fait Relana, on a fait le lion, on a fait l'hippopotame, on a fait les arbres, on a fait... Je sais plus, on a fait des trucs. Il y en a certains que j'ai débloqué mais que j'ai pas encore fait. On avance. J'ai attendu un peu trop longtemps. Tu veux aller de la mort? Ouais. Ça dépend, enfin c'est les boss principaux j'imagine la question, je sais pas. On a fait des trucs. T'es battu avec des mobs. Après lesquels étaient importants ou pas ça?
mis 3 coups d'épée, c'est ça les dégâts que j'ai mis? Oh shit. Putain, le fait que la chope spée tu puisses pas la punir, c'est vraiment trop moche. Ça existe ça? Bah attends, il traverse le mur avec sa queue maintenant, c'est quoi ça? Allez. Les bébés chats qui viennent de se réveiller en pleine forme là, qui vont tout détruire. Les pourfendeurs de monde. D'ailleurs, en parlant de bébés chats qui détruisent tout, qui viennent de se réveiller, ça serait peut-être temps de dormir. Hein. De toute façon, je suis tellement décalé, c'est affreux. Je déteste. Des gros réveils 13h du matin. Hein. Vas-y frère, laisse-moi une seconde que je puisse jouer. Mais 400, c'est rien, frère. Nouvelle stratégie, je bourre le weapon art et puis les trails où ça arrive pas mal. Voici la stratégie, amis. Pas touché ? Ah, oui, oui. Ah. Non mais frère, c'est quoi cette portée ? J'ai mis au menu. Non mais ça que fait la moitié de l'arène, ça suffit non ? Tout se passer dans le DLC avec un perso full prep. Pas spécialement full prep, mais c'est mon perso qui avait fini le jeu de base. Après, en vrai, ça change rien vu que le scaling du DLC il est que dans le DLC. En gros, tu peux arriver niveau 50 ou niveau 300, ça change rien, je pense. À part, bien sûr, pour les prérequis de tes armes et tout, mais. À part ça, c'est pareil. Pourquoi t'es tombé à la renverse toutes les une seconde mon perso, normal. Tu qui fait la map, on connaît. Ouf. Ouais, c'était un laser, pardon. R.
petit peu trop d'assaut. Je le descends tellement pas vite qu'il a le temps de faire 8 fois ses attaques. Laisse-moi te frapper, pitié. J'ai plus de potions, frère, j'en peux plus là de ce fight. Faut bien que je suis fatigué. Je suis fatigué, pardon. Quelques phases 2, c'est pas si mal. Bon là, ça s'est tanké, je sais pas pourquoi. Alors, c'est quoi ces attaques? Maintenant, faut les connaître, c'est un peu le problème. Ce serait bien d'en voir quelques-unes. Je comprends pas ce qui m'arrive. Tu fais quoi là? Ok. Ça marche. Non, non, ok. Il explose. Comme c'est vu que ma caméra est dans son genou. Dur de le comprendre à 3h du mat, mais. Et j'entends. Level 300 c'était plus confort, ouais bah. Je peux comprendre. Ah mes HP. Mes HP sont partis, allô? Un build 30 dans chaque stat pour avoir. Ouais, pour utiliser toutes les armes, c'est pas vrai. Oh, c'est ce que j'ai aussi. Mais c'est peut-être chercheuse cette attaque, on est d'accord, c'est comment tu. Comment t'esquives? Bon, ça c'est jamais deux coups, faut que j'arrête de me. Des fois je peux en mettre deux, mais. Non mais cousin, je n'ai même pas le temps de jouer en fait. Je permets quand même. Mon poteau, my fault. My fault. J'ai dit quoi, pas deux coups, j'en mets deux. Ah oui, sur la transi, je peux peut-être boire un peu plus. Bon, après, bon. Si je bourre plus, j'explose, quoi. Là, on esquive tout ça. Là, il fait son atterrissage, on esquive. D'accord. On esquive aussi, j'allais dire, avant de me faire one-tap. Quand il tape, ça met de l'orage à chaque fois, donc. Ça veut dire quoi? Je vais me placer où?
Est-ce qu'on gerbe pas un peu d'être en perma dans le mob et qu'il explose de partout? Un peu, hein. Oui, je fais encore un petit travail, après j'irai dormir, je pense. On s'en occupera demain. Merci Splend Shady pour ton prime, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci pour le soutien, très apprécié. Comme ça j'ai parole, je crois que vous me demandez pas. Il flop. Ah. Bon, on va en faire un quand même, là. Je peux pas vous laisser sur ça là, c'est pas digne. C'est pas digne, c'est pas digne. J'ai deux examens demain. Oh là là. Quelle journée? Mercredi. Oh yo 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 yo. Ça bossait un peu ou ça va y aller en. En Bale fléau des dragons, je sais pas quoi là. Comment il s'appelle? C'est quoi son nom d'ailleurs? Bale quelque chose? L'effroyable, le titan, je sais pas quoi, le titan effroyable. Non, pas, j'ai inventé titan, je pense. Bale. Bale l'effroyable, juste. Ça. Oui, j'ai révisé MDR. D'accord. J'ai envie de te croire, hein. Ça, je laisse venir une toute de rôle sur le côté, je crois que ça passe, mais je suis pas 100%. Et c'est la chope. Un coup d'épée, on se replace. Un coup d'épée, MDR, je rigole. Ça, on lui fait un peu de dégâts. Ouf. Ok. Ah oui, donc ça, j'avais même pas capté qu'il allait me taper. Ça, je suppose que c'était le coup de queue, mais je suis un peu trop près pour savoir. Ça, demain en pleine forme, je le donne 100%, je le dis. Oh là, je suis bloqué! Oh, je suis bloqué dans le mob. Oh, c'est affreux. Oh, c'est affreux, j'étais bloqué dans le mob, je peux pas bouger. Pass the ball. Vrai gamer va en partiel avec juste une heure de révision sur les fiches des autres. Deux heures de sommeil et un Red Bull. En vrai gamer... Vrai gamer assure son avenir pour pouvoir game et en même temps subvenir à tous ses besoins sans problème. Le gaming c'est un loisir assez cher en vrai. Bon, c'est pas cher comme... C'est pas cher comme la moto tu vois mais... Non, j'avais pas de meilleur exemple. Gaming, ça dépend en plus surtout si, tu veux, si on parle gaming même, gaming physique, enfin genre... pas les collectionneurs mais tu sais genre les Warhammer, les conneries comme ça, tu vois, les DR et tout. C'est cher tout ça. Bon, le coup de feu je le grille plus maintenant moi. Et ça me touche vraiment, mais comment c'est possible, je comprends pas. Cette attaque là, il y a une chance de truc qu'elle me touche en me suivant. Je ne sais pas. Les voyages c'est plus cher. Ouais, c'est vrai que les voyages c'est autre chose. Mais pour moi c'est pas vraiment... Ouais, c'est, je vois ce que tu veux dire. Et pour moi, je pensais des trucs un peu du quotidien, tu vois. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des gens dont le voyage c'est genre leur vie entière. Et respect à eux. Bon bah c'était bien chouette, on a bien avancé quand même, je suis content. On est arrivé au bout de la zone, j'ai l'impression des dragons. Donc c'était assez rapide en vrai. Roll pas quand il y a le souffle tout droit. Non mais ça me touche quand je cours juste. Pour ça j'ai essayé plein de trucs mais je comprends pas ce qui marche le mieux en théorie. Hop. On s'arrête là-dessus les frères. C'était très agréable comme soirée, j'espère que vous avez kiffé. On a tellement rigolé. Putain, Julgan il m'a tellement fait rire ce soir. Vraiment le seigneur de ce monde. Demain soir on joue à Chain Together. Alors on y jouera à 21h30. Assez tard, donc je streamerai avant, peut-être un peu de Poker Rock, ça fait longtemps. On testera la mise à jour, je pense. Ça pourrait être pas mal cool. Donc je pense qu'on va partir sur ça. Et puis...
Oh, il y a eu un truc de Docteur Disrespect. Oh, bâtard, c'est long. Oh, chien de mort. Attendez, je vous le lis, mais... Oh. Mais bon, demain, on joue à Chain Together, du coup, avec Sunday, JD et Aurélien Prévost. Et avant, on fera sûrement du Poké Rogue, et après, on fera sûrement du Elden Ring, je pense, si ça vous va. Alors, bonjour, j'aimerais dire un truc rapide. Allons droit au but. Toujours été franc avec vous et toujours été apte à accepter mes responsabilités. Ce qui est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Avant toute chose, j'aimerais me présenter mes excuses à ma communauté. Ainsi que mes proches, mon équipe et tous les gens qui bossent à Midnight Society Game Studio. Beaucoup de gens ont été laissés sans information par rapport à ce qui s'est passé hier avec Midnight Society. Donc Midnight Society, c'est la société qui a choisi d'arrêter toute activité avec Dr. Disrespect. Parce qu'il a été, pour le TLDR, un kid. Dr. Disrespect, c'était un immense streamer je dirais 2010. Entre 2016 et 2020, je dirais. 2021. Un truc comme ça, je sais pas trop. Bref, en gros, c'était un immense streamer. C'était peut-être le numéro 1, non? Un truc comme ça. Pas loin de Twitch, en tout cas. Et donc, du coup, il a été accusé par un ancien mec. En fait, ce mec a été ban, sans trop qu'on sache pourquoi. Et il y a eu pas trop de nouvelles sur ça, et ça restait un peu mystérieux. Et puis, il y a un ancien mec de Twitch qui, je sais pas pourquoi, l'autre jour a dit. Au fait, il serait peut-être qu'il a été ban parce qu'il DM des mineurs. Sachant que Disrespect, c'est un mec qui doit avoir peut-être, je sais pas, un petit 40 ans, pas loin. Donc un peu sus, quoi.